Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur ketapo.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment déboguer un programme dans le langage C. J'ai choisi de vous présenter le débogage uniquement pour cet outil Microsoft Visual Studio 2012, car c'est un outil extrêmement puissant dans son débogage et dans toutes ses autres fonctionnalités d'ailleurs. Mais si vous souhaitez garder votre éditeur de texte ou votre IDE, comme CodeBlocks ou autre que vous utilisez, ben c'est sans aucun problème. Sinon, je vous conseille vivement de passer à cet outil-là en l'achetant si vous en avez les moyens, ben sinon en l'essayant sa version express. Voilà. Là je vais écrire un programme. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire, mais bon, on va voir. Je vais déclarer par exemple une variable, puis assigner une valeur à cette variable, puis déclarer une autre variable booléenne par exemple. Puis changer la valeur de ma variable. Puis afficher par exemple. La variable plus 8. Puis je fais un test par exemple if. Else par exemple voilà, puis je donne à test une valeur par exemple true. Puis par exemple ici printf fin de mon programme. Voilà, donc on va commencer. Pour commencer le débogage hein, dans le langage C. Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais déboguer. Puis je vais ici pas à pas détaillé. Ou pas à pas principal. Bon, je vais utiliser hein, pas à pas détaillé ici. Donc voilà, je mets. J'accepte. Ça peut prendre un peu de temps, dépendant de votre ordinateur ou de votre configuration. Voilà, vous voyez ici que j'ai une nouvelle petite fenêtre ici qui est affichée. Là, les argc et argv, ben, c'est les arguments hein, de mon main ici. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est les valeurs qu'ils ont. Le argc a la valeur 1. Puis argv à la valeur à une valeur mémoire quelconque qui ne nous intéresse pas en fait. Si vous revenez ici, vous allez voir que le pas à pas détaillé que j'ai fait. Je peux le refaire avec le bouton ici, sinon avec F11 que je vais utiliser d'ailleurs. Vous remarquez ici que j'ai une flèche. En fait, ici, elle était ici au début à l'accolade du main, car c'est ici que le compilateur généralement ou toujours hein, commence sa compilation. Puis après, quand j'ai mis F11, il a directement cette instruction-là. Quand j'ai assigné à une valeur, puisqu'ici, une déclaration, bon, il n'y a rien à déboguer ou il n'y a rien à comprendre dans une déclaration. C'est bon, voilà. Remarquez ici, j'ai la flèche qui pointe ici. Donc, c'est cette instruction-là qui a été traitée. Vous remarquez, le nom de ma valeur, ben, c'est A. Elle a été déclarée. Sa valeur, c'est moins un nombre quelconque. Puis, j'ai son type. Type int. Chose qui est vraie.
Donc, quand la flèche pointe sur une instruction, ben en fait, elle vient de passer l'instruction précédente. Donc, j'ai ma flèche qui pointe sur le A égale à 5, mais en fait, le traitement que je vais avoir ou le résultat que je vais avoir dans ma fenêtre ici de débogage, ben, c'est l'instruction précédente. Ici, j'ai comme information le nom de ma variable, sa valeur. Elle vient d'être déclarée, donc elle n'a pas de valeur, puis son type. Si je retape F11 ou si je viens ici déboguer, pas détaillé. Je saute ici. Remarquez, j'ai mon A et sa valeur, puis son type. La déclaration a été faite. L'assignation a été faite. La déclaration ici, ben, elle a été sautée comme d'habitude. Et remarquez, A a bien eu la valeur 5. Et son type est toujours int. Puis après, j'ai la déclaration de mon booléen, test, c'est son nom, sa valeur. Par défaut, quand je déclare un booléen, ben, sa valeur c'est true. 204, bon, c'est une information supplémentaire dont on n'a pas besoin. Puis le type, booléen. Si je refais F11, il y a le 204 qui a disparu. Ben, en fait, c'est comme l'histoire de la valeur négative que j'avais ici pour le A. Remarquez aussi que les arcs GC et arcs GV ont disparu puisque je n'en ai pas eu besoin ni recours. Donc le A s'est vu assigner la valeur 5, puis test s'est vu assigner la valeur true, chose qui est vraie ici. Puis remarquez ici, mon A a toujours la valeur 5. Une fois que je vais sauter à l'instruction du printf, mon A va changer de valeur. Donc je mets F11. Remarquez, la nouvelle valeur de mon A est 9. Chose qui est vraie, car je viens de dépasser la valeur d'assignation A reçoit 9. Là, je suis dans mon printf, je remets un F11. Remarquez, j'ai été automatiquement dirigé à la déclaration de la fonction printf, là dans printf.c. Donc ici, j'ai ma fonction printf qui a été déclarée. Vous allez remarquer que je peux même déboguer le fonctionnement de la fonction printf. Si je mets F11, ben, je vais détailler pas à pas toutes les étapes dont passe la fonction printf pour afficher un élément dans l'écran. Et on va le faire. Donc, validate return, bon, c'est une fonction de printf que bon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Fait à start. En fait, le VA start, ça me dit que ma fonction printf est une fonction à nombre variable de paramètres. C'est vrai, enfin, chose qui est vraie parce que mon printf, je peux lui donner à afficher deux valeurs, comme je peux lui donner à afficher 58 valeurs, ça ne change rien. Et le fait. Donc, VA start ou VA arg, je détaillerai ça dans une prochaine vidéo, mais ce que ça veut dire, c'est que la fonction est une fonction à nombre variable de paramètres. Puis je saute à mon CDOut, donc c'est sûrement un truc de sortie. Encore, remarquez, ma fonction printf, ben en fait, elle fait appel à une autre fonction qui s'appelle file.c, qui fait un traitement. Puis si je continue, ben, je retourne ici à ma fonction printf. Puis j'aurai sûrement recours à d'autres fonctions, peut-être que c'est pas la seule voie là, je suis dans une mblock, etc. etc. On va pas continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va déboguer, puis pas à pas sortant. Puis encore pas à pas sortant. J'espère sortir hein, d'ici. Voilà. Donc je suis sorti. Printf retourné. Donc je continue, F11. La valeur de mon A n'a pas changé, ce qui montre clairement que la fonction printf, ben, elle ne change jamais la valeur hein, de ma variable. Elle prend juste une copie de cette variable, puis fait le traitement nécessaire, mais ne touche jamais à la vraie variable telle qu'elle est. Bon, je continue, je suis dans un test, if not test, if. Ça veut dire que si test égale à false, chose qui n'est pas vraie parce que mon test égale à true. Si je fais pas à pas détaillé, ben je vais directement sauter à mon else. Pourquoi? Parce que mon test est true.
Donc je ne peux pas rentrer dans cette condition. Mon A va se voir retourner la valeur. Enfin, assigner la valeur 8. Voilà. Ça a bien changé. Puis, si je mets F11 encore une fois, je vais rentrer dans mon printf comme tout à l'heure. Mais je vais en ressortir parce que je n'en ai pas besoin. Puis, c'est la fin de mon programme. Le 22, en fait, ben c'est le nombre de caractères de printf, je crois. On va tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, je ne me suis pas trompé. En fait, j'ai pas compté cet espace au début. C'est 23, mais puisque c'est indexé à 0, comme un tableau, je crois. Donc voilà, c'est bon. Si je mets un pas encore détaillé, je suis dans cette accolade. Donc je vais fermer mon programme. Je sors encore. Je sors encore une fois. Voilà, en fait, l'exécution de mon programme s'est arrêtée. Puis voilà, en fait, c'est le débogage simple et basique d'une application ou d'un programme en langage C. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, car le débogage est un principe très très important, non pas seulement dans le langage C, mais dans plusieurs autres langages. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo tutoriel sur kezako.com. Merci.